Je suis très heureux en ma qualité de président de Terractel donc de vous accueillir sur cette opération de Trébilly, qui est le nouveau quartier d'habitation d'Annecy qui comptera à terme plus de 2000 habitants. Et donc je suis particulièrement fier avec l'ensemble des équipes de Terractel aujourd'hui de poser cette première pelle et avec vous tous pour la réalisation du Smart Grid thermique, réseau thermique intelligent de Trébilly, qui est le premier réseau d'énergie de Haute-Savoie entièrement décarboné et on peut le dire l'un des premiers trans. Merci à tous. Vous le voyez, le Grand Annecy, que je représente ici avec mes collègues, est particulièrement engagé pour assurer un développement écologique et responsable. Trébilly est un modèle que nous allons dupliquer sur d'autres communes du territoire du Grand Annecy pour qu'on puisse demain, dès 2023, montrer que la technique est au service aussi des politiques publiques et du bien vivre des grands Annéciens. Merci à vous. À l'heure du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique et ses lourdes conséquences pour notre écosystème et pour notre avenir, il ressort à nouveau l'impérieuse nécessité d'adaptation dont nous devons faire preuve pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et ce, dès maintenant. C'est grâce à l'appui de tous que nous posons aujourd'hui la première pierre de ce réseau thermique intelligent, premier du genre en Haute-Savoie, et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir, parce qu'il incarne complètement notre vision de l'énergie de demain. Je vous remercie. S'il n'y a pas une vision globale, quartier, autoroute, connexion des routes et mobilité douce portée par le Grand Annecy et par la ville d'Annecy, ce quartier, au fond, aurait moins de sens. Donc merci de ce que vous avez fait, de cette avancée technologique qui honore et qui fait la fierté de la Haute-Savoie. Merci beaucoup et toutes mes félicitations.